sens. Car mon Jésus est fidèle. Il y a de la puissance, il y a de l'onction. Ce soir, ah, il y a de l'onction. Car mon Jésus est fidèle. Il est présent, il y a de l'onction. Ce soir, il y a de l'onction. Car Jésus est fidèle. Il y a de l'onction. Ce soir, il y a de l'onction. Car Jésus est fidèle. Il y a de l'onction. Il y a de la puissance. Ce soir, il y a de la puissance. Quand Jésus-Christ est fidèle, je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Oh, ce soir, je veux le célébrer. Quand mon Jésus est fidèle. Oh yes! Excusez-moi, on va se déplacer une minute. Il y a des soir, il y a de l'onction. Quand Jésus est fidèle, je veux l'adorer, le célébrer ce soir. Je veux le magnifier. Quand Jésus est fidèle, il y a de l'onction, de l'onction. Ce soir, il y a de la puissance. Mon Dieu est fidèle. Il y a de l'onction. Il y a de l'onction. Il y a de la puissance. Ce soir, il y a de l'onction. Car mon Jésus est fidèle. Il est si puissant. Il est si puissant. Ce soir, il y a de l'onction, car mon Jésus-Christ est fidèle, il est toujours fidèle, il y a de l'onction, de l'onction. Ce soir, il y a de l'onction, Jésus-Christ est fidèle, il y a de la puissance. Ce soir, il y a de l'onction. Jésus est fidèle. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance. Ce soir, il y a de la puissance. Jésus est fidèle. Le Dieu des dieux, l'Éternel des armées, il est le roi des rois. Jésus est fidèle. Oups, mon Dieu, il fallait tomber. Bonjour la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez si bien que rien ne vous ébranler. Vous m'avez déjà trouvé en train de chanter parce que je voulais rapidement venir vous saluer. J'ai dit bonjour à ceux qui se réveillent. Bonsoir à qui chez qui, à ceux chez qui la nuit, la soirée est en train de finir parce que nous sommes sur plusieurs angles. Ok. Attention, il ne faut pas, les gens vont mal interpréter mon casque. Les Africains vont dire ce sont des cornes. On se connaît. Alors, je ne sais à qui je m'adresse ce soir, mais ceci est une invitation sur odg.tv. Nous allons prier. Laissez-moi voir dans combien de temps. Laissez-moi vérifier. Les gens m'ont demandé de faire le radada. Okay. Et j'ai trouvé que c'était une prière
excellente, une prière puissante, une prière redoutable. Par conséquent, ce soir, ce matin, je vous l'ai dit, nous sommes le 16, il est minuit au Canada. Je vous invite à vous rendre massivement sur notre site ODG TV. Dans les quelques instants qui suivent, je crois dans moins de 20 minutes, si Dieu le veut, le temps que j'allume le studio, parce que nous n'allons pas utiliser ce studio, mais nous allons utiliser l'autre studio. Amen. Le temps que voilà. Donc, c'est une invitation à la prière. Je suis bizarre parce que l'ordinateur a décidé d'être bizarre. Alors, si vous êtes disponible pour la prière, moi, ça ne me dérange pas. Pour ceux qui veulent avoir accès au Zoom, il vous faut passer par ODG TV. Le Zoom sera activé. Donc, nous serons dans le Zoom sur ODG TV pour faire une belle prière d'intercession intitulée les configurations de la destinée prophétique. Donc voilà, beaucoup de gens sont là, mais je vous dis la vérité, à moins qu'ils ne se lèvent dans la prière de manière assidue, de manière déterminée pour détruire les œuvres de l'ennemi, bien aimé, vous allez remarquer que beaucoup risquent de vivre le contraire de ce qu'ils planifient et de ce que Dieu a décidé pour eux. Alors, ce petit instant d'invitation, c'est pour vous dire rendez-vous sur odg.tv. Nous commençons dans quelques instants, du moins pour ceux qui ont vraiment envie d'intercéder. Ça sera le radada sur odg.tv. Ok, toi, tu es au boulot? Ben écoute, faut faire ton boulot. Tu es au boulot, fais ton boulot. Sois un bon employé, c'est tout. Il n'y a pas de parable dans ça. Donc, écoute, bon boulot à toi. Salut ton patron pour moi. Mais nous allons faire le radada. Et je bénis le nom du Seigneur de nous permettre de faire les choses comme il le veut. Voilà. Soyez bénis. Et sans plus tarder, je vais vous laisser pour aller allumer le studio, comme j'ai dit, pour aller mettre en marche nos prières. Vous savez que le radada, ça paraît tellement bizarre pour certaines personnes que parfois, quand on le fait sur YouTube, les gens sont là et disent « C'est quoi cet exercice que vous êtes en train de faire là, monsieur Eloge ?» Pendant qu'on est là, radadadada, tout dans, doum. On est en train de bombarder. Quelqu'un croit que c'est un exercice que nous, on est en train de faire. Alors, je me suis dit, pour ne pas passer pour des fous ou pour des gens qui s'en foutent, on va passer sur ODG TV et les autres chaînes. Mais je ne sais pas si j'aurai le courage de les ajouter au direct. C'est la raison pour laquelle je suis passé là, pour vous inviter. Alors, tous autant que vous êtes, vous pouvez passer sur odg.tv. Je vous invite massivement sur odg.tv à profiter de cet instant formidable de prière d'intercession, de déblocage avec un effet immédiat. Alléluia. Voilà. Donc, voici ça. Le radada aura lieu d'ici quelques instants sur odg.tv. Bien-aimé, voici ça. Et là, si tu n'as pas ton compte, je peux même ajouter quelques temps pour ceux qui n'ont pas encore de compte d'aller rapidement créer et activer leur compte. Si vous voulez, je peux extendre un peu le temps. C'est-à-dire qu'au lieu de passer d'ici moins de 20 minutes, je peux passer d'ici moins de 30 minutes, ce qui donnerait à bien des personnes le temps, je voudrais dire la possibilité d'aller créer rapidement leur compte, de l'activer et de se connecter. Si cela vous convient, vous n'avez qu'à me le dire et moi, je vous ferai, je vous accorderai,
vous accorderai la possibilité d'aller rapidement créer votre compte sur odg.tv. Voilà, j'ai dit odg.tv. Voilà, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que nous avons déjà beaucoup de membres sur odg.tv. Alors, venez profiter de l'occasion. Alors, si cela vous convient, moi, ça ne me dérange pas du tout. Alors, si vous n'arrivez pas à vous connecter, je ne sais pas quel est le problème. C'est quoi ton problème? Si vous n'arrivez pas à connecter, nettoyez votre téléphone. Tu peux le faire ce soir? Non, on ne peut pas le faire ce soir. On va faire le radada sur odg.tv. C'est le temps que le Seigneur m'a donné. On a déjà programmé le direct. On ne peut pas changer l'heure pour te faire plaisir. En tout cas, salue ton patron et tes collègues pour nous, Kopianga. Alors, ça sera un instant incroyable de prière. OK? Je n'ai pas encore eu la réponse de certaines personnes. Si l'heure vous convient, moi, je pars tout de suite allumer. OK, pourtant, j'ai créé un compte déjà. Alors, le compte que tu as créé, c'est au nom de quoi? Est-ce que tu peux me donner le nom de ton compte pour que je puisse aller voir c'est quoi ton problème? Parce que là où nous sommes là, on a plus de 1000 abonnés déjà. Donne-moi ton nom pour que je puisse voir c'est quoi ton problème avec le compte. Estella Ndong, c'est ça? Estella Ndong. Alors, donnez-moi le temps d'aller voir rapidement. Estella Ndong. Moi, je suis sur la truc. Laissez-moi voir. C'est pour ça qu'on vous dit de mettre des vrais noms. Alors, moi, je vois Ndong à logo Stella. Ton compte est bien activé. Seulement, tu as mis un faux numéro de téléphone. C'est ce qu'on vous dit là. Stella Ndong, j'ai retrouvé ton compte seulement. Tu as mis un faux numéro de téléphone. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi? Dis-moi. Est-ce que ton email, c'est child... Voilà, je ne donne pas la suite. Ne donne pas ton email en direct. Les gens vont... Ouais, c'est ça. On a retrouvé ton compte, mais tu as mis un faux numéro de téléphone. C'est un peu ce que je vous disais. On dit, ne mettez pas n'importe quoi là-bas. Vous avez vu maintenant. Alors, Stella, donc, ton compte est activé. Tu peux te connecter maintenant. Ton compte est OK, tu peux t'activer, tu peux te connecter. Les numéros ont changé au Gabon. D'accord, c'est noté. Si les numéros ont changé au Gabon, connectez-vous sur le site et puis corrigez votre numéro. Vous avez la possibilité de corriger votre numéro. Alléluia. Voilà, allez-y dans votre espace client. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Alors moi, je suis sur ODG. En ce moment, laissez-moi voir quelque chose. OK. Voilà, je vais vous ajouter au direct, OK. Sandra, ouvrez les réglages, excusez-moi, tact, c'est bon. Voilà. Voici ce que j'étais en train de dire. Je voulais ajouter... Donnez-moi un instant. OK. Voilà. Voici ce qui se passe. Un instant. Alors, connectez-vous le temps que je me connecte moi aussi. Je vais montrer à Sandra comment changer son mot de passe. On fera des vidéos... Son numéro de téléphone. OK. Laissez-moi voir. OK, je n'ai pas encore ajouté. Donc, bien aimé, allez connectez-vous rapidement. Je vous laisse le temps de vous connecter, comme je l'ai promis. Le temps que je règle quelque chose. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît.
Voilà. Alors, je me suis fait éjecter à cause de Google qui me demandait d'activer quelque chose. Maintenant, je vais montrer à Sandra où aller pour rapidement changer son numéro de téléphone pour que on puisse se préparer. Voilà. Alors, je vais faire quelque chose. Il y a de l'onction ce soir. Il y a de l'onction car Jésus est fidèle. Je veux l'adorer, le célébrer. Je veux l'adorer ce soir. Il y a de la puissance ce soir. Il y a de la puissance car Jésus-Christ est fidèle. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer ce soir. Je veux le louer car mon Jésus est fidèle. Alors, mes bien-aimés, le site fonctionne très bien. On a Thérèse qui vient de rejoindre le site. J'active pour elle. Donc, alors, j'étais en train de montrer à Sandy où changer son mot de passe rapidement. Voilà, je vais sur ODGTV. C'est bon. Alors, vous devez me voir. Vous devez me voir. Alors Sandra, voici ce que tu vas faire. Au Gabon, les numéros ont changé. Nous sommes maintenant sur ODGTV. Est-ce que tu vois bien ce que je suis en train de montrer? OK. Voici ce que tu vas faire. Tu pars sur ODG. Tu cliques sur Profil. Tu as vu? Quand tu vois Profil ici, est-ce que tu vois là-haut, profil? Voilà. Regarde où il y a le nom Elogic ici, le numéro de téléphone. Tu peux voir changement. OK? Changement. Voilà. Donc, à partir de là, tu peux cliquer sur ce bouton et ça va afficher le formulaire pour changer ton numéro de téléphone. Tu vois, ça va afficher le formulaire. Le site est bien conçu. Maintenant, pour ceux qui veulent avoir accès au Zoom, vous voyez que le Zoom est déjà activé, mais pas encore, on n'est pas encore en ligne. Le Zoom est déjà activé. OK. Donc, c'est pareil pour tout le monde. Pour tous ceux qui ont des petits soucis, des changements, vous pouvez aller dans votre profil ici, vos paramètres, faire tous les changements que vous voulez, changement de mot de passe. Ancien mot de passe, nouveau mot de passe, confirmation du mot de passe. Voilà. Pour ceux qui veulent avoir accès à la télé, et donc à cliquer ici, et ils vont avoir accès à la télé. OK? Tout est vraiment bien fait par la grâce de Dieu. On continue de travailler. Alors, moi, je vais arrêter la diffusion pour aller me préparer, tout en donnant aux gens la possibilité ou le temps de se connecter. OK? Vous pouvez passer ici pour avoir accès au live. Vous voyez ce bouton, c'est le live. Ici, vous avez accès à votre espace, comme on le dit, espace client. Voilà. Pour voir vos paramètres, vous connectez. Vous connectez. Alors, regardez, nous sommes en direct, même sur ODGTV. Vous activez le son ici, en donnant aux gens la possibilité ou le temps. Alors voilà, nous avons fini. Nous retournons à notre dashboard. Alors, bien-aimés, tout est vraiment bien fait, bien expliqué. Donc, je donne aux gens quelques instants.
Il est quelle heure? Je vais repousser un peu pour quelques minutes pour ceux qui sont en train de créer leur truc déjà. Donc, depuis que j'ai parlé, il y a déjà quelques personnes, je suppose, qui sont en train de se connecter. Donc, on leur donne l'occasion de créer leur compte, mais dans moins de 20 minutes, on va commencer. OK? Dans moins de 20 minutes, nous allons commencer. Le radar, je vous laisse le temps d'aller vous connecter. C'est bon. Donc, je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Un instant qui dit quoi là? Je suis connecté. Merci beaucoup. Je n'arrive pas à avancer. Ben, il faut redémarrer ton téléphone cellulaire. Tout le monde arrive à se connecter. Voilà. On sait que vous avez peut-être des problèmes pour mettre le numéro de téléphone. Vous laissez des espaces. Ne laissez pas d'espace dans le numéro de téléphone. Alors, moi, je vais vous laisser. Et puis, je vous invite tout de suite dans les 20 minutes qui suivent là sur ODG TV pour le Radada. Que Dieu vous bénisse. Ce fut un plaisir pour moi de vous inviter et allez corriger vos numéros de téléphone pour ceux qui ont mis les faux numéros. Et puis, bon, ben, je crois que ça va vous faire du bien d'être capable d'utiliser toutes les fonctionnalités de notre site. Le site a été créé de manière sécuritaire. Ça a été créé de sorte à ce que vraiment vous vous sentiez comme un peu sur tous les autres sites. Parce qu'on a travaillé dur pendant 4 ans et on continue de travailler pour l'améliorer. Donc, quand vous allez là-bas, n'allez pas mettre des faux noms et des faux numéros. Parce qu'après, on va dire envoyez votre numéro de téléphone, votre mot de passe par téléphone ou envoyez ceci, validez ceci. Vous avez mis un faux numéro et ça ne va pas marcher. Voilà. Ne soyons pas dans le faux chrétien. Même dans ce site internet des chrétiens. Soyez bénis. Alors, on se dit quoi? À dans moins de 20 minutes. OK, il y a des gens qui demandent le site. C'est odg.tv. 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 Bien-aimés, ça doit, vous deviez pouvoir être capable de le faire. On a déjà près de 1100 personnes. On a près de 1100 personnes qui sont connectées déjà au site. Donc, vous devez pouvoir avoir accès et créer votre compte. Ce n'est même pas compliqué. C'est l'un des formulaires de création les plus simples. Alors, moi, je vous laisse pour aller prolonger mon temps de direct. Soyez bénis. Je vous laisse. Alors, à tout à l'heure sur ODG TV. ODG.TV. ODG.TV. Merci.